Bon, un petit look de surfeur s'impose pour cet exercice, pour mettre un petit peu d'animation et de gaieté. Le taux d'avancement final de l'acide 1 est supérieur au taux d'avancement final de l'acide 2. On se propose de savoir si le pH de l'acide 1, la solution contenant l'acide 1, est inférieur au pH contenant l'acide 2. Eh bien, on a exprimé le taux d'avancement final en fonction des concentrations. On remarque que la concentration en H3O+ de l'acide 1 est supérieure à la concentration des ions H3O+ de l'acide 2. Autrement dit, comme le pH est égal à moins log de H3O+ dans le cas de l'acide 1, eh bien on peut dire que ce pH va être forcément comment ? Eh bien, plus petit que le pH de la solution contenant l'acide 2. Vous aurez vous-même aisément trouvé que la deuxième proposition B est fausse. Est-ce maintenant, pour terminer cet exercice hawaïen, est-ce que la constante d'acidité vaut taux F1 sur 1 ou un taux F1 ? Bien, eh bien, nous allons exprimer la constante d'acidité. C'est la concentration H3+ finale fois A moins final divisé par H final. Je rappelle que la constante d'acidité, c'est une constante d'équilibre, donc elle définit qu'à la fin de la réaction, évidemment, quand l'équilibre est atteint, la concentration de H3+ finale, c'est XF sur V. Le taux d'avancement final, c'est XF sur N, ou en concentration XF sur V divisé par la concentration C initiale d'acide, H. Donc nous avons la concentration H3+ finale 1, C fois taux F1, peu différente de A-, peu différente de la concentration en base. Autrement dit, il ne me reste plus qu'à remplacer nos concentrations en fonction du taux d'avancement final, ce qui fait C fois taux F fois C fois taux F divisé par C moins taux FC pour AH, puisque AH, c'est quoi? C'est C moins XF sur V. Ce qui nous donne donc pour la constante d'acidité 1, C au carré fois taux F1 au carré divisé par C facteur de 1 moins taux F, taux d'avancement final. Tac, on simplifie. Évidemment, cette expression n'est pas égale à celle-ci, donc la petite d est fausse.